Les débats étaient animés ce mercredi 21 juillet lors de l'ouverture de l'examen du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire à l'Assemblée nationale. Le ministre de la Santé Olivier Véran est longuement monté au créneau pour défendre le texte. Si le virus pouvait nous regarder, il serait assez content et se servirait une petite bière, s'est agacé Olivier Véran mercredi soir à l'Assemblée, lors de l'ouverture de l'examen du projet de loi controversé visant à étendre le pass sanitaire et rendre la vaccination contre le COVID-19 obligatoire pour les soignants. Face aux vives contestations de l'hémicycle et alors que les débats ont duré une bonne partie de la nuit, le ministre de la Santé a accusé, avec humour, l'opposition de vouloir faire traîner les discussions en longueur, et s'est également attaqué aux anti-vaccins. « Je n'aime pas le pass sanitaire. Il y a un virus. Si le virus pouvait nous regarder, il serait assez content et se servirait une petite bière. Honnêtement, nous avons besoin d'avoir des mesures de protection des Français et des établissements recevant du public. Je le redis et je le martèlerai toute la soirée et toute la nuit », a lancé Olivier Véran à l'adresse des députés, avant de lâcher, manifestement, on a le temps, face aux protestations de l'opposition. Je n'aime pas le pass sanitaire. Je n'aime pas une société dans laquelle nous sommes contraints de demander un pass sanitaire. La question est de la décision et de la nécessité, monsieur le député. Gouverner, c'est choisir, et parfois faire des choix qui ne nous plaisent pas, et c'est ça le courage en politique. Ce n'est pas de faire durer des débats en nous disant que c'est à cause de nous qu'il y aurait une obstruction parlementaire, a-t-il martelé. Les anti-vaccins dans le viseur. Les moutons ne sont pas ceux que l'on croit, a aussi déclaré le ministre de la Santé lors de cette séance en évoquant les anti-vaccins, rendant dans le même temps hommage à la majorité de Français qui ne vocifèrent pas. J'aimerais dire à cette majorité de Français tout mon soutien quand il se trouvera à leur table un oncle ou une tante qui vantera les mérites de la médecine ayurvédique ou de la soupe au pissenlit pour protéger du virus, a-t-il déclaré. Cette majorité de Français ne se reconnaît pas dans l'indécence devenue commune par le jeu des réseaux sociaux ou dans la défiance érigée en principe de vie, a-t-il poursuivi. La liberté, ce n'est ni se soustraire aux impôts, ni rouler à contresens sur l'autoroute, ni fumer au restaurant, ni refuser un vaccin qui me protège autant qu'il protège les autres. Pour rappel, le projet de loi doit être adopté pour la fin de la semaine, malgré une contestation farouche des oppositions. Plus de 1100 amendements ont été déposés en séance. Les députés poursuivent les discussions ce jeudi.